Hello, c'est Julie. Dans cette vidéo, je voulais te partager trois façons de monétiser ton compte Instagram. À l'heure actuelle, peut-être que tu as un compte Instagram, que ce soit un compte Instagram personnel ou bien un compte Instagram professionnel qui est basé sur une thématique, par exemple les voitures, l'alimentation, les citations motivantes, d'accord? Et si tu es dans ce cas de figure-là ou que tu as envie de développer un compte sur Instagram, il faut savoir que tu as trois manières de monétiser ton compte. Juste avant que je te dévoile les trois façons de monétiser ton compte Instagram, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, je te partage tout, je te partage mes revenus, mes commissions, les différents comptes Instagram que je possède, les différentes chaînes YouTube que je développe. Donc c'est vraiment important que tu sois dans ce groupe-là pour déjà avoir de la motivation et puis avoir accès tout simplement à tous les petits business que j'ai à droite à gauche et qui peuvent potentiellement te rapporter de l'argent. Quand tu as un compte Instagram, tu as donc une audience, une communauté. Et il faut savoir que quand tu as une audience, une communauté, eh bien tu peux monétiser ton audience. Quelqu'un qui a une audience, une communauté, peu importe le domaine, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans tout et n'importe quoi, que tu aies une communauté qui est à fond sur une religion ou qui adore une marque, bref, dans tous les cas, dès que tu as une audience, une communauté, tu vas pouvoir la monétiser parce que tu vas pouvoir proposer gratuitement à cette audience qui t'appartient, eh bien tout simplement des produits. Et il faut savoir qu'il y a différentes façons de monétiser une audience. La première façon, ça va être de proposer tes propres produits. Et en général, je conseille de proposer des produits digitaux, des e-books, c'est-à-dire des livres numériques, ou encore des formations en ligne. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui ne te demandent aucun coût de fabrication, c'est tout en ligne, d'accord? L'e-book, c'est un PDF, et la formation en ligne, c'est tout simplement des vidéos. Ça demande très peu de temps à créer, ça demande aucun coût de fabrication, et tu peux vendre, une fois que tu as créé ton produit, tu peux le vendre des centaines et des centaines de fois. Donc si tu as un compte Instagram sur l'entrepreneuriat ou un compte Instagram sur la thématique de l'argent, et bien la première façon que je te conseille d'utiliser pour commencer à générer tes premiers revenus sur Instagram, c'est tout simplement de vendre des produits digitaux. Deuxième façon de gagner de l'argent avec Instagram, c'est tout simplement de faire des pubs. C'est-à-dire que tu vas proposer à tes concurrents, dans ta biographie Instagram, tu vas mettre ton email où tu vas tout simplement dire ceux qui veulent faire la publicité de leur business, envoyez-moi un message privé, d'accord? Et tu vas tout simplement faire payer des gens pour afficher leur post ou leur message dans ta story. C'est quelque chose qui est extrêmement lucratif, extrêmement rentable. Si tu as un compte Instagram, par exemple, avec des citations motivantes entre 20 000 et 30 000 abonnés, tu peux facilement vendre des publicités à 30 euros le post de 24 heures sur ton fil d'actualité ou 30 euros le post en story. Et voilà, t'en fais plusieurs par jour et tu vas gagner énormément d'argent avec cette méthode. Le problème, c'est que ça va profiter à quelqu'un d'autre et tu risques un petit peu d'épuiser ton audience. Ton audience, c'est un petit peu une pépite d'or, d'accord? Il faut absolument que tu chouchoutes ton audience, que tu leur apportes de la valeur pour qu'ils te fassent confiance et qu'ils achètent tes produits. Et si tu fais constamment la promotion de business autre que le tien, d'accord? La promotion de produits qui sont à quelqu'un d'autre, eh bien, tu vas fatiguer ton audience. Et c'est la raison pour laquelle je te conseille vraiment en premier lieu de proposer tes propres produits. Après, si au début tu n'as pas tes propres produits, tu peux faire quelques publicités à droite à gauche pour générer tes premières dizaines et tes premiers centaines d'euros. Troisième et dernière façon de monétiser ton compte Instagram, c'est tout simplement de faire de l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? C'est tout simplement le fait de recommander le produit de quelqu'un d'autre et à chaque vente que tu vas déclencher, tu vas toucher une commission sur la vente. Par exemple, tu choisis une formation en ligne sur comment avoir des cuisses fines. Par exemple, tu as un compte Instagram sur le fitness, tu donnes des conseils aux femmes pour maigrir et tu as trouvé une formation qui s'appelle Comment affiner ses cuisses, qui coûte 100 euros. Et à chaque vente que tu déclenches, eh bien, tu touches 50% de commission. Eh bien, à chaque fois que tu vas vendre ce produit, tu vas toucher 50 euros. L'affiliation, c'est bien pour débuter parce que tu n'as pas à créer le produit, tu n'as pas à gérer le service client, tu as simplement un lien unique via lequel les gens doivent acheter ce produit et dès qu'il y a une vente qui est déclenchée via ce lien, eh bien tu vas toucher ta commission.
Encore une fois, je t'invite à faire de l'affiliation en étant assez précautionneux. Ne fais la promotion que des produits qui sont bons, qui apportent de la valeur. Ne va pas proposer à ton audience des produits pourris qui ne leur apportent pas de valeur, qui vont servir à rien parce que ton audience ne te fera plus confiance et ne t'achètera plus de produits. Concernant l'affiliation, tu peux te rendre sur différents sites pour trouver des produits en affiliation. Tu peux te rendre sur un TPE, tu peux te rendre sur Clickbank ou tu peux tout simplement contacter les créateurs des formations en ligne que tu as appréciées et leur demander s'ils peuvent te faire un lien privé via lequel tu pourras leur déclencher des ventes et ils pourront par la suite te reverser des commissions. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu n'as toujours pas d'idée de compte Instagram, voilà, tu ne sais pas trop dans quelle thématique te lancer, tu ne sais pas trop quel type de post proposer, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, je te partage tout, je te partage notamment les différents comptes Instagram que je possède avec les posts que je propose, les stories que je mets en ligne et tout simplement les légendes que j'utilise, les biographies que j'utilise. Donc vraiment, si tu as envie de te lancer sur Instagram parce que tu te rends compte que c'est un endroit où on peut faire beaucoup d'argent, crois-moi, il faut absolument que tu sois dans ce groupe Telegram privé. Donc clique sur le premier lien en description pour le rejoindre avant que je le ferme définitivement au public. Également, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je sors 2 vidéos par jour pour t'apprendre à générer de l'argent à côté de ton job ou de tes études. Moi, je te remercie pour ton écoute et puis je te retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.